prenne une moto pour sauter d'un pont. Évidemment qu'il va se passer des dingueries. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au pont d'Isonsac. Ça me fait quand même quelque chose de revenir ici après ce moment au Gainer Tour. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait Chaplonge contre Gainer. Franchement, c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait. C'était fou. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle est juste là, elle est disponible aujourd'hui. Julien, il a ramené son trampoline de gym. On va pouvoir faire des accros qu'on n'a pas l'habitude de faire à 14 mètres. Je sens que ça va bien bien s'envoyer aujourd'hui. En plus, on a Vlado et Flot ici avec nous. Ça va canarder les plans FPV. C'est Louis Gang. C'est lui, en personne. C'est Louis Gang. Ça va, mon gars. Salut. Ça va. Ça me régale. Meilleur coup de France, les gars, abonnez-vous. How deep is the water? 6 meters. 6 meters? Yeah. And the wall? 14. 14? Yeah. Wow. Là, il y a un peu de soleil. En vrai, ça va être stylé. Avec Vlad, on va essayer de faire un petit shot FPV. Il y a une petite chapelle qui est juste à côté du pont. Et l'idée, ce serait qu'il passe genre dans l'espèce de trou. Et après, qu'il me rejoigne. Et moi, je cours et je fais genre running gainer. On va essayer de se calibrer et d'essayer d'être bien proche. Mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites 3, 2, 1, après vous dites quoi? En fait, on dit 3, 2, 1, send it. 3, 2, 1, send it. Et pourquoi on jette un caillou? Parce qu'on est des hommes virils et qu'on aime les cailloux. C'est pour s'imaginer en fait faire le saut. Donc le caillou, quand tu le jettes, c'est toi. Et en fait, tu te visualises à faire tes saltos. Et puis ça permet aussi, si tu jettes des gros cailloux et tu te lances direct, d'éviter que l'eau elle soit blind et de faire un peu de repère. Mais ça sert pas à casser l'eau pour faire moins mal. Ça c'est une légende. Hey, bonjour. Bonjour. Vous filmez quoi? On filme des vidéos sur YouTube. Ah d'accord. Ouais, on filme des vidéos de plongeon. D'accord. C'est Wheezy Gang sur YouTube. Là vous avez sauté là? Ouais. Bon courage à vous. Merci. L'eau doit être fraîche. Ouais. Bien fraîche. C'est pour ça qu'on a des combis. S'en foutent complètement. C'est normal qu'on soit là en fait. Je vais pas sourire, je vais vous faire la gueule parce que c'est peut-être un truc qui est interdit. Interdit? Ah ouais. Par moi, c'est plaisir. Pas par moi. Je suis sous l'ancien régime, ma famille était les seigneurs de ce coin. Maintenant, on l'est plus. Donc. Les seigneurs? Ouais. Ah ouais. J'ai affaire à un seigneur. Maintenant, oh, tu nous emmerdes. Pardon. Pardon, vous allez sauter? Un seigneur énervé. Non, c'est fini. Alors, parlez-moi un petit peu. Votre truc, c'est de sauter, c'est ça? Ouais, c'est ça. On fait des vidéos toutes les semaines sur YouTube et on a notre marque de vêtements et on vit grâce à ça. Un petit truc de la maison, un trampoline. Et je me suis dit, ça passe, regarde, c'est plat, c'est un peu haut, mais le mieux c'est de partir de là. Ouais. Comme ça, t'as pas besoin de courir, de t'embêter avec les poids. Tu sautes, trampo, et petit 14 mètres. Au final, le 14 mètres, c'est plutôt un 14 mètres. Ouais. Mais bah, du coup, ça va pouvoir envoyer des dingues. Genre un petit front de barani back. Pourquoi pas, hein?
En fait, ça nous donne le airtime d'un plus gros saut, ouais. Avec la sécurité d'un plus petit saut, où si on rate un peu, c'est quand même moins dangereux. Je crois que je vais encore faire une connerie. Ça va partir en couille. Mais je sais pas en fait s'il faut l'incliner ou il faut le mettre plat. Bah, je pense qu'il vaut mieux le mettre plat pour pas glisser, parce qu'on a pas besoin de prendre trop d'auteur là. Ah bah non, il y a 14 mètres derrière. Normalement ça, on met ça devant une table de saut, genre il y a 1 mètre après. Là, il y a 14 mètres. Il a posé une main et après il a fait il est où le Julien? Mais les gens pour les jeunes, Julien. 3, 2, 1, let's go. Ça fait peur, hein. Il a pas encore testé le trombeau. C'est son premier saut au trombeau. Et il envoie triple. C'est sans clair. Je crois qu'il y a pas trop le choix en même temps. Non, il y a pas trop le choix, mais... Ah mais c'est... Oui, bonjour, on voit ça. Va un peu par là. Chaque fois qu'il fait... Oh, ça fait peur. Vous êtes prêts? Allez. Et 3, 2, 1, 7, 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 Ça fait peur en vrai, hein. Genre le moment où j'ai fait « Vous êtes prêts ?» Moi je suis pas prêt. En l'air j'ai quasiment rien vu. Genre j'ai envoyé le front de fort. Après Barani j'ai un tout petit peu vu l'eau. Et je me suis dit « Ok vas-y, je suis obligé de grouper quand même. » Et au pire je ralentirai après dans le bac. Et en fait j'ai ralenti, j'ai fait « Oh c'est bon, je suis large !» Je suis un peu cul. Mais en vrai j'ai rien senti. Ça va, du coup genre en vrai, nickel. Oh j'ai kiffé, hein. On a eu une petite idée avec Vlado. Parce qu'il vient d'acheter une moto en fait. Du coup on s'est dit, est-ce que ça pourrait pas être stylé que genre moi je sois derrière lui sur la moto, il arrive sur le pont et que je sais pas, je me débrouille d'une façon ou d'une autre pour sauter. C'est minuscule. C'est solide ça. Donc là on va faire des tests, voir s'il garde l'équilibre, si je peux vraiment me mettre debout sur sa moto ou truc comme ça. Ça bouge dans tous les sens quoi. C'est le moment où je me suis mis dessus qui était sketch, mais quand je fais le pas, il faut que je me mette debout avant. Genre c'est juste faut que je me mette bien debout et anticiper grave le mouvement. Genre partir là et... Enfin, sachant que là tu vises un peu, mais ouais, je vise un peu. Un mur, ça va. Ouais. Pas sûr de la stabilité là. Oh mec, ça va être stylé. Tu peux aller plus vite. Non mais là... Et j'ai vu un truc passer là. Moi j'ai vu Vlado dans le mur, hein. Vas-y, on fait un test. Ça se fait large, là j'étais grave lent mais je peux grave me rapprocher. Faut qu'on ait le bon timing. Bon, y a des chances que ça foire, mais en même temps je pense que c'est ça qui nous fait marrer, c'est de toujours tester un peu des trucs originaux et tout. Ok, ça part. Let's go. Allez, rapproche-toi. Oh, ça a l'air incroyable. Oh, oh. Flottissier, il a crash. Putain, heureusement. T'as crash. Ouais, mais heureusement, il a ça. Ouais.
Il est où? Oh! J'ai une chatte! Ça évite! Oh Mathieu! Il est tombé où? Il était là! Non! Au pied du pont là! Ça a marché! Non! Il est pas dans l'eau! Il s'est craché! Je le récupère, c'est bon! Ça crache! En même temps, c'est sketch, frère! Il prend une moto pour sauter d'un pont! Évidemment qu'il va se passer des dingueries! Oh la vache! J'ai tourné! Pour avoir Mathieu. Et t'as rasé le mur? En fait, il y a une abysse qui s'est pris dans le pilier du drone. Il est trop mauvais. Ah ouais, ouais. Oh mec, j'ai trop kiffé. Il allait un peu vite, après il a ralenti. Je me suis dit, allez, accélère, accélère. Et après, genre, il m'a foutu sur le mur. D'un coup, j'ai pris de l'élan et tout, genre bam bam. J'ai mis genre un pied pour ralentir, je suis parti. Et après, je remonte, j'étais trop content. Et là, je vois le drone de Flo qui fait. Qui se prend le mur, genre. Et il essayait de remonter. Et du coup, il faisait comme ça. Et du coup, paf, il est arrivé, genre, juste au pied du poteau. Du coup, j'ai récupéré le drone, il était pas dans l'eau. Oh, c'était trop bien. J'ai trop kiffé. Putain, mais gros, c'était fou. J'étais comme ça, je regarde à côté, je vois Matt Comas. J'étais, non. Ah, c'était tellement fou. Voilà, tu sens qu'il va se passer. Non, c'est grave. Non, c'était. Non, c'est aberrant. Oh, oui. Oh, let's go! Non, c'est... Ah, il est trop chaud! C'est aberrant, c'est aberrant. Oh, c'est fou! Bon, c'est une fin de session. Je suis bien mort. On va retourner sur le petit spot de dodo et on va aller se coucher.